Tunakumbuka kwanza kuzaliwa mbinguni kwa mtakatifu Benedikto, na hii siku ya leo kwa ndugu wetu kwa monaki watashere jubile yao ya 25 ans. Na wale wa monaki ni awa: wa kwanza ni kaka Athanase Kasongo, wa pili ni kaka Daniel Chembo, wa tatu ni kaka Emmanuel Banza, wa nne ni kaka Robert Kakese, na wa tano ni kaka François Kisela. Na hii yote watakayofanya siku ya leo ni juu wasabitishe katika imani yao kwa kubaki waaminifu na imara katika Kristo mu maisha yao ya utawa, maisha ya kusali na kuwatumikia wenzao. Kumbe wakati huu sisi wote tutasimama pamoja na wakaka wetu wanapotuimbia, tupate kuwashangilia na kukelekele kwa furaha.
na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na ninyi wote. Na wako pia. Ndugu wapenzi, leo tunakumbuka kuzaliwa kwa Mtakatifu Benedikto. Na kundi letu la Benedikto Mtakatifu la Maria mama wa Kerker inasherehe jubile ya wakaka watano wa monaki Baba Atanas Kasongo, Baba Chembo, Daniel, Baba Emmanuel Banza, Baba Robert Kakese, na Baba François Kisela. Na tutamuomba Mungu vile waliitika kujikatalia na kuacha vyote kupitia injili ya leo, awasaidie kuwa na juhudi ya kudumu kazi ya utumishi, na wawe wenye kuangaziwa na neno lake Yesu njiani ya maisha yao ya imani mko yeye, wakiwa watu wa sala na kazi ya kuwatumikia wenzao, kwa sababu wanajua ya kama tuzo yao ni kubwa mbinguni. Lakini tunajua ya kama sisi wote tuko wadhaifu na wakosefu mbele ya Mungu na watu wote. Tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Thank you.
atufikishe katika uzima wa milele.
waaminifu. Na uaminifu wako kwa wakaka wetu, Athanas, Daniel, Emmanuel, Robert, François, watasisisha leo zawadi ambayo wewe mwenyewe uliongoza ndani yao, uwape ukarimu zaidi kwa kutumikia utukufu wako na kazi yako ya wokovu kwa ajili yetu, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Ndugu wapenzi, tunafika sasa wakati wa kusikiliza neno la Mungu. Tutaomba wote kulinda ukimya zaidi na heshima kwa neno la Mungu. Somo la kwanza, anayetaka hekima ataipenda zaidi kuliko utajiri. Ni somo katika kitabu ya Mifano sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa kwenda. Tusikilize vema somo hili. Mwanangu, ukipokea maneno yangu, ukitunza moyoni maagizo yangu, masikio yako ikayatega kusikia hekima, na moyo wako kuinamia kuelekea ukweli, ndiyo ukiomba ufahamu na kukata akili, ukitafuta kama pesa, ukichimba kama mwenye kutafuta hazina, ndipo utafahamu uchaji wa Bwana na kuvumbua elimu ya Mungu. Maana ndiye Bwana anatoae hekima, domoni mwake kutoka maarifa na ufahamu. Awawekea watu wanjoku msaada wake, ni ngao kwa watu waadilifu, kulinda njia za haki, kukinga mapito ya marafiki wake, ndipo utafahamu haki, uadilifu, unyofu, mapito yote yanayoelekea heri. Wakristo wapenzi, hilo neno la Bwana. Na somo la pili ama somo la injili, kuacha vyote kwa ajili ya Yesu. Ni injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo sura ya 19 mstari wa 27 mpaka 29.
Sisi wapenzi tusimame kwa kushangilia injili. Me precisa e diga minha.
wamunaji. Wa kwanza ni baba Atanas Kasongo. Wa pili ni baba Daniel Chembo. Na watatu ni baba Emmanuel Banza. Wa nne ni baba Robert Takese. Na watano ni baba François Kisela. Na katika maandiko matakatifu, Yesu na wafasi wake kisha kuambia ya kama ni kigumu mtajiri kuingia katika ufalme wa mbingu, lakini ni upesi zaidi gamia kupitia tundu la shindano. Petro mkubwa wa wafasi akamuuliza Yesu akisema, sisi tumeacha vyote na kukufuata wewe, tutapata nini basi? Na Yesu akamwambia, mtakaa katika viti 12 juu ya kuhukumu kabila 12 ya Israeli, na mtapata uzima wa milele. Maana mitume wapewa ile neema ya kuwa waamsi wa dunia mzima kule mbinguni. Na tuzo nene zaidi ni kurisi uzima wa milele mbele ya macho ya Mungu. Tunakuwa na bei sana mpaka tukiacha vyote na kumfuata Yesu. Kuacha vyote maana yake nini? Maana yake je? Ni kuacha utajiri wa dunia isiyo utajiri wa makuta tu. Utajiri wa dunia ni utajiri gani? Utajiri wa kiburi, kipengo, choyo, bwizi, bubishi, ukosefu wa mapendo na huruma, kukosa kufuata njia ya Yesu na hivi hivi. Na kuacha kuigamia na jamaa na madesturi ya mazoeo yetu ya kazi. Tunapaswa kujua ya kama vyote tunavyo tulipewa kwa neema bure na Mungu, na tusifanye moyo mgumu kwa kumwamini Yesu. Yeye ni njia, ukweli, uzima kwa kutupeleka kwa Baba. Ndiyo maana tunapashwa kuitika, kujikatalia na kuacha vyote juu ya mapendo ya Yesu. Mkifaransa wanasema ne rien préféré à l'amour du Christ. Kama vile wakaka wetu hawa kupitia wito wao waliacha yote na kumfuata Yesu.
ya Benedicto Takatifu mbele ya hawa wote ni watoto wangu. Walinipokea hapa mbele ya kuingia huko kwa monasteri. Na nadhani mbele ya kuingia huko walikuwa wananifundisha ya kusema écoute. Si tu écoutes, tu vas arriver. Écoute mon fils et tu parviendras. Voilà qu'aujourd'hui, ils sont là. Ce sont nos grands frères. Ils nous ont appris beaucoup de choses pour apprendre à aimer les prochains. Je crois que c'est le chemin à suivre. Sema kama vile wakaka wetu hao kupitia wito wao waliacha yote na kufuata Yesu. Maana yake waliacha furaha za dunia juu ya kumtumikia Mungu na wenzao mkundi na wamonaki, wakishika injili wakiwa na juhudi ya kudumu mkazi ya utumishi, wakiangaziwa na neno lake Yesu njiani ya maisha yao ya imani mko yeye na kuwa watu wa sala na kazi ya kumtumikia ndugu zao katika Kristo, kwa sababu wanajua kama tuzo yao ni kubwa mbinguni. Ni hivi leo tunawashangilia, kwani na leo hii wako naendelea wengine niwepo na tusaidia kwa kuweza kujua zaidi kanuni letu la Benedicto Takatifu. Ndiyo maana tutawasindikiza vile vile katika sala na maombi zetu, wapate kuendelea vile vile na kumtumikia Mungu katika kundi letu. Amen. Na kisha kusikiliza hotuba wa baba mkubwa, mafundisho mazuri kwa imani yetu, watamwalika atuongee mbele ili apate kuwapokea kwa kaka wetu hawa wa kusoma sharti yao juu ya kurenovele maisha yao tena ya kitawa, sababu wepo msafari katika maisha ya imani tupati kwa utaratibu.
wanawagawanya masharti yao na wataisoma kuanzia kwa Papa Daniel Chembo. Au nom de notre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En ce 25e anniversaire de mon engagement solennel dans la vie monastique, moi, frère Daniel Chembo Kasia, en réponse à l'amour du Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour moi et qui m'appelle malgré mes faiblesses à les suivre de plus près. En ignant à son offrande sur la croix, qu'il me renouvelle chaque fois dans la célébration eucharistique, et à l'exemple de la Vierge Marie, servante du Seigneur, entièrement disponible à dessein, je renouvelle ma profession monastique. Je promets stabilité, vie cénobitique et obéissance selon la règle de Saint Benoît, devant Dieu, en présence du Père Clément Kissinda, prieur du monastère et ses moines. Fait à Notre-Dame des sources qui suscitent, le 20 mars 2021, en la fête de Saint Benoît. Na pasasa Fred Daniel Aninda kuchapa kistari ama signature kwa sharti yake, ni kwa uhuru peke yake anafanya ile. Na wakati huu ni Baba Emmanuel Banza naye vile vile atasoma sharti yake. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En ce 25e anniversaire de mon engagement solennel dans la vie monastique, moi, frère Emmanuel Banza, en réponse à l'amour du Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour moi et qui m'appelle malgré mes faiblesses à les suivre de plus près, en ignant à son offrande sur la croix, qu'il me renouvelle chaque fois dans la célébration eucharistique, et à l'exemple de la Vierge Marie, servante du Seigneur, entièrement disponible à dessein. Je renouvelle ma profession monastique, je promets stabilité, vie cénobitique et obéissance selon la règle de Saint Benoît, devant Dieu, en présence du Père Clément Kissinde, prieur du monastère et ses moines. Et le 20 mars 2021, en la fête de Saint Benoît, au monastère Notre-Dame des Sources, qui suit. Naye vile vile, anenda kuchapa kistari, pasharti yake, na ni kwa uhuru peke yake, anenda kusinye, kwa kuonesha engagement yake, kamilifu wake mbele ya Mungu. Na sasa hivi ni Baba Robert Kakese naye vile vile atasoma sharti yake.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À ce 25e anniversaire de mon engagement solennel dans la vie monastique, moi, frère Robert Bellarmin à Trinité, Kakesekipamina, en réponse à l'amour du Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour moi et qui m'appelle malgré mes faiblesses à le suivre de plus près. En union à son offrande sur la croix, il me renouvelle chaque fois dans la célébration eucharistique et à l'exemple de la Vierge Marie, servante du Seigneur, entièrement disponible à dessein. Je renouvelle ma profession monastique. Je promets stabilité, vie cénobitique et obéissance selon la règle de Saint Benoît. Devant Dieu, en présence du Père Clément Kissinda, prieur du monastère et ses moines, fait à Notre-Dame des Sources Kiswichi le 20 mars 2021, en la fête de Saint-Benoît. Naye vile vile anenda kucha Pakistani pa sharti yake ya kuonesha ukamilifu wake wa Kristo wake. Na sasa hivi ni baba François Kisela, naye vile vile atasoma sharti yake. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce 25e anniversaire de mon engagement solennel dans la vie monastique, moi, frère François Kisela Mutumbe, en réponse à l'amour du Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour moi, et qui m'appelle malgré mes faiblesses à le suivre de plus près, en union à son offrande sur la croix, il me renouvelle chaque fois dans la célébration eucharistique et à l'exemple de la Vierge Marie, servante du Seigneur entièrement disponible à dessein. Je renouvelle ma profession monastique. Je promets stabilité, vie cénobitique et obéissance selon la règle de Saint Benoît, devant Dieu en présence du Père Clément Kissinda, prieur du monastère et ses moines. Fait à Notre-Dame des Sources Kiswichi le 20 mars 2021 en la fête de Saint Benoît. Naye vile vile anenda kuchapa alama ya kistari katika shati yake kuonyesha uaminifu na uaminifu Yesu Kristo. Kisha baba mkubwa naye vile vile atapenda na kwenda kuchapa alama ya kistari kwa ile makartasi ya wakaka wetu juu ya kuhakikisha. Thank you.
wataimba wimbo wa sushipe. Diakonesha kujitolea kwao kwa Mungu, wakijua kama weko wenye zambi, ili apate wapatia nguvu ya kujitolea. Kisha kuimba wimbo wa sushipe, baba mkubwa atawapokea tena mara ya pili, na sisi tawapokea kisha juu ya kuevite magonjwa yetu inayotawala siku ya leo. Waimbaji wimbo
kusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi. Bwana tuombe na matoleo yetu ikupendeze kukaribisha Bwana zawadi yenyewe kwamba wakaka wetu hawa wanasasisha leo uangalishe zaidi na zaidi na mwana wako mpendwa Yesu Kristu Bwana wetu, yeye anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Bwana we nani. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, yeye amezaliwa na Bikira Maria kama mzao mtakatifu sana, akawataja wenye heri walio safi moyoni, na kwa mwendo wake akafundisha ubora wa usafi. Yeye alitimiza siku zote mapenzi yako kwa uaminifu, na kwa ajili yetu alijifanya mtii mpaka kufa, ili ajitolee kwako sadaka bora. Nao wenye kuacha vyote duniani kwa ajili yako, anawafanizia wakutumikie wewe kwa juhudi yote, akiwaidia tuzo kubwa mbinguni. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho.
Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba matoleo haya kwa baraka ya roho yako yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaomega, akawapa wafasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Chakula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafasi wake akisema, twaeni na kunweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani. Kwake mwana wako tunakutolea, e Bwana, mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia.
tunakuomba na tunakusi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Francesco na Askofu wetu Yohano Petro na mapadri na mashemasi na watawa na wote wenye kuitumikia eklesia yako. Uwakumbuke pia ndugu zetu kaka na dada waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa namna ya pekee mapadri na mafera wa komunote hii waliotangulia mbele yako na wazazi wa ndugu tunaofanya jubile siku ya leo. Wakumbuke marehemu wote wapoke katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, Yusufu mume wake Boga, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, uweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe chakula chetu cha kila siku, Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utupatie amani katika nchi letu la Kongo, utusaidie kwa msaada ya huruma yako, uepuke zambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunaongojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu. Kwani kwa wao ufalme uwezo na utukufu milele. Tutasali sisi wote pamoja kwa kuomba amani. Amani ipate kukaa katika nchi yetu
amani pate kuka katika majama zetu. Tusali sisi wote pamoja. E Bwana Yesu Kristu. Amani ya Bwana iwe nani siku zote. Katika mapendo ya Kristo na katika furaha ya jubile ya ndugu zetu, waamini wa Bwana mpeane amani. Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualika kwa karamu ya Bwana. Mwili wa Kristo na damu ya Kristo
vitulinde kwa uzima wa milele.
mwili wa Kristo utalinda ukimya kidogo ili kweli Kristo apate kuzungumza nasi ndani ya mioyo yetu na kutupatia uzima. Na kisha kupokea mwili wa Kristo na kulinda ukimya wa kufikiri, tutasimama sisi wote, wazee, vijana, wa baba, wa mama na wagonjwa, kwa kumshukuru Mungu kwa mema anayotendea siku ya leo. Thank you.
Kwa mzimisho haya tumepokea kutoka kwako, uwape wakaka wetu hawa kupata katika mkate huu wa barabara nguvu ambayo wao wanahitaji kutembea kuelekea kwako katika hatua mpya ambapo wao wanachukua kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Amen. Kwa Kristo wapenzi, shalom. Shalom. Amani. Furaha. Na hii wakati kisha tumshukuru Mungu, tutakaribisha mmoja wa wakaka wetu atakuja kutoa sauti mbele yetu. Kaka, karibu. Mot de circonstance à l'occasion du jubilé d'argent, soit 25 années de vie monastique des frères Athanase Kasongo, Daniel Djembo, Emmanuel Panza, Robert Kakese et François Kisela. Révérend Père Prieur, frères et sœurs dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Notre amour pour Dieu, nous les consacrer et qui est à la base de notre vie religieuse ou monastique, ne doit pas se contenter d'être théorique, rationnel, encore moins purement verbal. Notre amour pour Dieu devra prouver son authenticité par des actes. Dieu a été tellement bon dans la peine à la vie monastique qu'il a dit un jour aux frères Athanase, Daniel, Emmanuel, Robert et François que j'étais aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'étais attiré dans ma miséricorde. Jérémie 31, verset 3 et suivant. Certes, Dieu est amour. Non seulement il est amour, mais il n'est qu'amour. Dieu est amour. Deus caritas est. Cette définition de Dieu, la plus belle de toutes les définitions que nous fournit l'Écriture, nous montre le Très-Haut opérant toutes choses par amour. La création, l'incarnation, la rédemption, l'Eucharistie que nous venons de célébrer aujourd'hui, tout cela constitue l'œuvre d'amour. Mais si de cet amour général, on descend aux cas individuels, on constate que l'âme des frères, Athanase Kasongo, Daniel Djembo,
Emmanuel Bonza, Robert Kakese et François Kissela, qui fêtent leur jubilé d'argent, soit 25 ans de vie monastique, ces âmes qui se sont consacrées à Dieu par les vœux de religion ont été l'objet d'un amour tout à fait particulier, puisque Dieu a distingué les simples révérends frères qui constituent les lauréats du jour. Dieu les a séparés des autres garçons ou hommes pour les faire vivre près de son cœur adorable dans son intimité. Parmi des millions de garçons, Dieu en a choisi 5 seulement. Et cela s'appelle mystère. Nous pouvons considérer comment cette bonté divine, appelant les 5 frères à la vie monastique, apparaît d'abord dans les dons généraux que cette bonté divine a fait pour les frères, puis dans les avantages particuliers que leur apporte leur vocation. Dieu a donné à chaque frère la vie, l'intelligence, les aptitudes, des dispositions mentales et corporelles pour répondre à ses vues sur ses serviteurs. Il y a également les dons de grâce que le Seigneur a accordés à ses serviteurs. Nous le savons bien, les dons de la grâce ont encore plus de prix, et plus ces dons de la grâce sont abondants, plus ils sont précieux. La vie naturelle, nous pouvons la perdre même sans vouloir, et une fois perdue, c'est pour toujours. Tandis que la vie de la grâce, si nous l'avons perdue, la confession nous la rend. Cela chaque fois que nous le désirons. Et encore, faut-il ajouter que nous ne perdons la vie de la grâce que lorsque nous le voulons. Elle est entre nos mains. C'est Jésus qui nous a obtenu cette vie surnaturelle par sa passion, par sa mort, et il est demeuré avec nous dans l'Eucharistie pour l'alimenter quotidiennement. À côté du don de la grâce, il y a aussi le don de gloire. Si le don de la grâce est supérieur au don de la nature, celui de la gloire est encore plus précieux. La vie de la grâce peut durer tant que nous serons sur la terre. Mais la vie de la gloire dans le ciel sera éternelle. Et plus ces dons grandissent en excellence, plus Dieu se montre généreux en nous qui sommes croyants. Or, c'est dans un véritable monde de merveilles et de merveilles surnaturelles que Dieu nous a placés. Comment ne pas admirer, adorer sa bonté infinie et toute gratuité avec nous? Et les grands dangers dont nous sommes préservés sont la vie du monde et l'isolement. Le monde, celui que le Christ a maudit et mauvais, ces entreprises tombent toutes contre le salut des âmes. La vie monastique, comme soulevée, comme entraînée par le mouvement de nos frères en communauté. Comme notre Seigneur a été bon de nous placer dans une ambiance et surnaturelle, si tonifiante, c'est-à-dire une ambiance qui nous rend ferme et qui nous fortifie. Une fois de plus, nos confrères dans la foi nous ont aidés à progresser spirituellement. Par leurs exemples, par leurs conseils et par leurs prières et leurs mérites. De la même manière que nos confrères nous ont édifiés, nous également, d'une manière ou d'une autre, nous avons édifié certains de nos confrères. C'est une évidence. Mais qu'est-ce qu'édifier? Édifier, c'est construire. Édifier notre confrère, c'est l'aider à devenir de plus en plus temple du Seigneur.
1 Corinthiens 3, 16 à 17. Et comment pouvons-nous édifier? Par ce que nous sommes d'abord. Il ne s'agit pas de paraître, mais d'être, c'est-à-dire d'être vrai avec notre foi, en accord avec notre vie chrétienne. En nous voyant, les autres doivent savoir remarquer en nous une foi vivante et agissante, ferme et inébranlable, ne craignant pas de s'affirmer en toute occasion. Nous pouvons édifier les autres. En nous voyant, les autres doivent pouvoir remarquer une charité sans cesse en exercice, une charité sans faille. Nous pouvons édifier parce que nous disons, c'est-à-dire par la parole et par ce que nous faisons, pour affirmer et confirmer ce que nous défendons ici aujourd'hui. Nous donnons un fait qui s'est produit en France, précisément à Paris. Lorsqu'il arriva à Paris, à l'âge de 18 ans, Hosanna, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est quelqu'un qui allait devenir un illustre sociologue chrétien, en même temps maître des conférences de Saint-Vincent de Paul. Ces messieurs étaient croyants, mais sa foi était toujours chancelante. Un jour, Hosanna entre dans l'église de Saint-Étienne. Il aperçoit dans un coin, près du sanctuaire, un vieillard agenouillé qui pieusement récitait son chapelet. Hosanna essaie de s'approcher, il reconnaît l'homme. C'était le célèbre et grand physicien et mathématicien français que nous avions tous eu l'honneur d'étudier aux humanités dans le cours de physique. André-Marie Ampère. Hosanna était bouleversé parce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'un si grand savant physicien, reconnu à l'échelle mondiale, puisse égrener son chapelet dans une église. Car Ampère personnifiait pour Hosanna la science et le génie. Ampère incarnait aux yeux de Hosanna l'idéal même. Le fait de voir Ampère écrivant son chapelet à l'église, cette vue émeut Hosanna jusqu'au fond de l'âme. Hosanna est tellement édifié par le physicien que Hosanna, à son tour, s'agenouille lui-même, sans bruit, derrière le maître. Conséquence, la prière et les larmes jaillissent du cœur de Hosanna. C'était la pleine victoire de la foi et de l'amour de Dieu. Hosanna devient croyant au point qu'il s'est plaisé à dire et à redire « Le chapelet d'Ampère a eu plus d'influence que tous les sermons. » Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, comme Ampère, chaque chrétien doit être une lumière pour ceux qui l'entourent. Nous devons être la lumière du monde, Matthieu 5, 14. Pour édifier les autres et en être édifiés, nous n'allons pas chercher à aller à Paris. Dans nos milieux de vie, nous pouvons tenter l'expérience de l'édification. Il nous reste un agréable devoir, celui de remercier de tout cœur, en tout premier lieu, le Seigneur, pour tous ses bienfaits et pour toutes les grâces reçues, c'est aussi pour nous une grande joie de reconnaissance pour nos parents qui nous ont éduqués dans la foi et nous ont fait connaître le Christ. Au révérend Père Prieur et tous ses moines, au nom de tous les lauréats, nous vous prions de bien vouloir
agréez l'hommage de notre profonde gratitude pour votre soutien. Nos très respectueux remerciements à la congrégation bénédictine de l'Annonciation, pilotée par le Père Abbé Président, et à tous les moines de l'abbaye Saint-André Bruges, nos fondateurs, qui veulent trouver ici l'expression de notre hommage respectueux. Que le révérend Abbé Ernest Kitongé, du diocèse de Sakarya-Kibouchi, trouve ici l'expression de notre respect et de notre reconnaissance. Nous apprécions à sa juste valeur l'éloquent message que nous a adressé tout au long de notre retraite. La collaboration combien efficace de nos sœurs bénédictines de Saint-Sauveur en général et de la communauté d'Emmaüs en particulier qui nous a accueillis pour la retraite mérite notre sincère reconnaissance. Nous associons à ces remerciements les moines des membres Kinshasa, représentés ici par le révérend Père Simon Madeko, venu animer une session aux jeunes en formation. Nous avons à cœur de remercier les révérends pères, révérendes sœurs, révérends amis et révérends frères, venus particulièrement participer à la célébration eucharistique. Que nos frères et sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, amis et connaissances, trouvent en ces quelques mots l'expression de nos vœux les meilleurs dans leur recherche laborieuse et patiente de Jésus, notre Sauveur. Nos sentiments de sincère reconnaissance s'adressent également à nos bienfaitrices et bienfaiteurs. Veuillez accepter l'expression de notre chaleureuse reconnaissance pour l'aide substantielle que nous ont généreusement octroyée pour le bien déroulement de cet événement. Une fois de plus, rendons grâce à Dieu pour les 25 années de vie monastique. Demandons-lui de bénir le monastère Notre-Dame des Sources et tous ses moines. Prions-le de continuer de nous guider dans les sentiers du courage, de foi, de l'amour, de l'édification, de l'unité de l'Église et de l'humilité, comme le souligne notre patriarche Saint-Benoît dans sa règle au chapitre 7. Dont il nous trace le tableau des 12 degrés de l'humilité. Nous devons chacun, conformément à notre vocation, continuer de faire tout notre possible pour que notre vie monastique soit bâtie sur le vrai rocher qui est le Christ, confère 1 Corinthiens 10, 4. Daigne Marie Immaculée, Mère de Dieu et Notre-Dame des Sources, intercédez pour nous et nous obtenir la grâce dont nous avons besoin pour remplir notre noble tâche de rechercher Dieu et de servir nos frères et sœurs, les hommes. Nous vous remercions. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani na furaha ya Kristo.